Bonsoir à tous, bienvenue sur 01Net TV en ce jeudi soir, 18h, comme tous les jeudis soirs, pour un nouvel épisode de 01 Live Hebdo, le débrief de l'actualité pendant 30 minutes avec tous les spécialistes de la rédaction de 01Net. Alors c'est encore un 01 Live un petit peu spécial, je me sens un peu seul, hein, oui, puisque mon camarade François Sorel n'est pas là. Euh, il sera là, de, il sera de retour jeudi prochain, promis. Hein, on a eu des nouvelles, tout va bien, il est bronzé, il peut rentrer maintenant. à condition qu'il ne soit pas trop bronzé quand même pour ne pas nous faire honte, on verra bien. Ce soir, nous allons parler de plein de choses, d'intelligence artificielle tout d'abord. Vous le savez peut-être, actuellement se déroule euh, en Corée un match assez impressionnant, un, jeu, un match de, de, de go, hein, ce jeu de société, euh, entre un humain, le meilleur du monde, le meilleur joueur, et un ordinateur, le meilleur du monde aussi, c'est le système d'intelligence artificielle DeepMind. Euh, Mélie Charney viendra tout nous expliquer, comment ça marche, les enjeux, etc., etc. On va parler également du nouvel Android qui montre le bout de son nez, Android N qui commence à être dévoilé. Euh, Delphine Sabatier pour sa chronique ZoomActu viendra nous parler d'un drôle de phénomène, tenez-vous bien, dans 80 ans, sur Facebook. Il y aura encore du monde, espérons-le, mais il y aura plus de morts que de vivants. Ouais, C'est une étude statistique qui fait froid dans le dos, mais il y a certaines réalités qu'il faut oser regarder en face, que voulez-vous Et puis, bien sûr, pour la partie labo de ce 0 à live hebdo, nous allons mettre les petits plats dans les grands. Puisque c'est demain le jour J pour ce petit appareil qui est ici sur la table. Vous l'avez compris, c'est le fameux Galaxy S7. On en parlait déjà un petit peu la semaine dernière, mais voilà, c'est donc demain qu'il sort. Alors avec Raphaël Grably, Adrien Branco et Jean-Sébastien Zanki, nous allons eh bien, débriefer complètement, vous saurez tout sur ce S7 et puis son grand frère, le S7 Edge. Voilà, c'est zéro live hebdo, c'est tout de suite, c'est parti Et avant de donner la parole à Amélie Charnet qui nous a rejoint. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Pour parler d'intelligence artificielle, eh bien, la question, 01 Live euh, Orange du jour, précisément. Avez-vous peur de l'intelligence artificielle Qu'en pensez-vous On a déjà une première tendance en fait. Allez, on démarre très fort. Euh, et on est quasiment à 50-50. Voilà, un internaute sur deux qui vote ce soir sur www01 tv.com, qui a peur et l'autre qui n'a pas peur. Donc avec Amélie. Vous allez peut-être réviser votre, change, votre jugement dans les minutes qui viennent. Puisque donc, Amélie, cette, cette affaire étonnante, hein, qui s'est faite en deux temps, parce qu'en fait, il y a déjà quelques mois, le fameux programme de Google, qui s'appelle Alphago, Alpha voilà, programme d'intelligence artificielle, avait affronté le meilleur européen, il l'avait battu, et depuis deux jours, il s'est attaqué au meilleur mondial, et patatras, il l'a battu aussi. Alors, euh, presque, voilà. il y a cinq matchs, il y a déjà eu deux matchs et euh, le meilleur joueur mondial s'est fait battre euh, à chaque fois. Euh, il résiste quand même mieux que le meilleur joueur européen, mais c'est quand même mal parti pour lui parce que s'il perd le troisième match, il est sûr de perdre totalement Tout, le tournoi. De perdre toute la partie, oui. Ouais. Donc voilà, évidemment, la question qu'on se pose, c'est qui va gagner dans cette histoire-là C'est un duel qui est incroyable, c'est le duel de l'homme contre la machine. Ça nous rappelle évidemment ce qui se passait il y a 20 ans en ce qui concerne les échecs. Lors Deep Blue euh, d'IBM qui affrontait Gary Kasparov, mais il paraît que le jeu de Go c'est beaucoup plus difficile, oui, c'est pour ça que les résultats sont beaucoup plus impressionnants et que c'est autant médiatisé, c'est à dire qu'en fait il euh, y a plus de combinaisons possibles au jeu de Go que d'atomes dans l'univers, ouais, donc il y, 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 <laughs> mais... y en a beaucoup plus dans l'univers, mais il y en a beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus qu'aux échecs. Et c'est un jeu en plus euh, chinois euh, qui, qui date d'il y a 3000 plus de 3000 ans qui a des millions d'adeptes dans le monde, même si c'est pas très popularisé en, en Europe. Et et euh, en fait, aucun joueur professionnel jusqu'à il y a quelques mois n'avait jamais été battu. Et surtout, tous les experts en intelligence artificielle pensaient que ce ne serait pas possible avant au moins 10 ans. Mmh. Donc là, euh, Google en fait, a mené ses recherches de façon totalement secrète. On a eu la surprise il y a deux mois d'apprendre avec retard que AlphaGo avait battu déjà le meilleur joueur européen. Et là, euh, on. Il y avait quand même quelques observateurs qui avaient des réserves. On pensait que le meilleur joueur du monde pourrait encore résister et c'est mal parti visiblement. C'est incroyable. Alors, euh, comment est-ce qu'il euh, est qu fonctionne Est-ce que nous, pauvres mortels, on peut arriver à comprendre comment fonctionne ce AlphaGo euh, logiciel d'intelligence artificielle de Google, a priori le, pu le plus puissant du monde aujourd'hui Alors, déjà, euh, Google a mis énormément d'argent euh, dans, dans l'affaire parce qu'il euh, était, était en compétition avec Facebook sur le même sujet. Et là, Facebook s'est fait complètement détrôner. Donc, il y a entre 20 et 30 personnes euh, dans la start-up britannique DeepMind euh, qui appartient à Google qui mmh. travaillent sur le sujet. Ils ont des moyens considérables, énormément de machines qui sont surpuissantes avec des cartes graphiques également. Euh... Mais c'est qu'une histoire de puissance, de force brute cet aspect matériel parce qu'il faut faire énormément de calculs. D'accord et par dessus, donc la, la grande originalité et la grande force d'AlphaGo, de, de, c'est ses euh, algorithmes. Alors, il y a trois choses différentes. Donc, il y a trois méthodes différentes qui ont été utilisées. Il mm -hmm. y en a une qui est plus classique et qu'on trouve dans n'importe quel smartphone aujourd'hui pour faire de la reconnaissance vocale ou, ou de la, la reconnaissance d'image. C'est ce qu'on appelle euh, donc l'apprentissage la, la, profond. Donc, c'est le deep learning. Ouais, le fameux donc, deep learning. Voilà, n'ayez pas peur beaucoup. du mot barbare. Ouais. <laughs> donc, en fait, euh, ce sont des algorithmes. Tout tout simplement qui permettent à une machine d'apprendre plus ou moins toute seule. Donc, euh, alors euh, c'est assez simple en fait à expliquer. Euh, c'est comme si on donnait, euh, on faisait apprendre euh, à lire à un enfant sans lui donner l'alphabet. C'est-à-dire que on lui donne un A et c'est à lui. Ce qui n'est de... pas évident quand même. Voilà, on lui donne c est, c est des la, lettres. C'est la méthode globale de l'ordinateur. <laughs> on lui donne des lettres, c'est à lui d'aboutir donc à la déduction euh, que ce sont un A ou que c'est un B, et on lui dit si c'est bon ou pas à la fin. D'accord. Voilà. Euh, là, la grande originalité euh, d'AlphaGo, c'est d'utiliser cette méthode plus une autre méthode qui, elle, est beaucoup plus longue à mettre en œuvre. Ouais. C'est euh, l'apprentissage euh, par renforcement. Donc là encore, un mot un peu barbare, mais qui consiste à faire jouer la machine contre différ différentes versions d'elle-même. Donc en fait, euh, les progrès de cette machine ne s'arrêtent jamais puisque là encore, actuellement, là, elle vient peut-être d'arrêter son match, mais elle continue, elle à, continue à travailler. Elle continue à travailler. Et donc plus elle joue contre elle-même, plus elle s'améliore. Et contrairement à un vrai sportif, elle n'a même pas besoin d'aller dormir manger voilà. etc. <laughs> Tac, tout de suite elle se remet à l'entraînement. Hein. Voilà, voilà, donc c'est ça en fait la grande nouveauté, c'est d'avoir combiné, combiné ces deux méthodes plus une dernière qui était beaucoup plus classique et plus connue qui est uh -huh. la méthode de Monte Carlo qui consiste à, à faire jouer des, des fins de partie pour essayer de prévoir des coups euh, en avance. D'accord. J'ai oublié de juste de dire oui. un truc, c'est qu'en ah fait ouais. pour arriver à cette méthode ils ont aussi appris euh, par cœur toutes les entre guillemets toutes les parties des meilleurs joueurs du monde. En eh fait. Oui, ça, ça paraît voilà, logique. Ça, ça En ça, base de données, ils ont rentré en fait tous ces coups. Des, des meilleurs joueurs du monde et grâce simplement à ça ils peuvent prévoir 56% mmh. euh, des combinaisons. Mais le go est, est quand même particulier, il y a Lucien sur Twitter parce que rappelons-le comme tous les jeudis soirs 18h euh, nous sommes en direct donc vous pouvez interagir sur Twitter hashtag 01live. Lucien qui nous dit, jamais joué au go, est-ce que c'est difficile, euh, oui. Oui, est euh, difficile Oui, c'est difficile. Oui, oui c'est hein. très difficile. Alors c'est un jeu de stratégie, un jeu de plateau. Donc ils ont ce qu'ils appellent un, un tablier. Il y a une entrée avec, Il y a 19, euh, dans la grille, il y a 19 fois 19 euh, entrées. Mm -hmm. Et il s'agit en fait de conquérir des territoires. Alors, euh, il y a un adversaire qui a des pierres blanches et l'autre qui a des pierres noires. Et ils essayent d'encercler de, de, euh, les pierres des autres pour conquérir des territoires. D'accord. Voilà. Bon. Euh, la question évidemment qu'on se pose, c'est à quoi sert tout ça C'est uniquement à faire un spectacle diffusé sur YouTube qui va amuser tous les intellectuels et tous les chercheurs du monde Ou il y a véritablement un enjeu et Alors, des applications pratiques derrière oui, oui. alors, donc, en dehors du défi euh, qui n'était pas attendu euh, avant dix ans à relever, euh, ça, va faire, mal, ça va faire progresser des méthodes générales, en fait, euh, d'intelligence artificielle, mm -hmm. et qui vont alors, j'ai interviewé des experts, on est bien incapable de donner des applications concrètes dès aujourd'hui parce que euh, il va falloir que tous les chercheurs du monde entier s'emparent de ces nouveaux algorithmes et eux-mêmes euh, trouvent de nouvelles applications. Mm -hmm. mais euh, on, il est probable que ça améliore encore la reconnaissance vocale, qui n'est pas encore parfaite que ça améliore encore la reconnaissance d'image par exemple. Oui, tout ce qui fait déjà appel à l'intelligence artificielle, en voilà. fait. C'est-à-dire qu'on n'explore pas de, de, de nouveaux territoires, on va, on va capitaliser sur l'existant et puis on va faire progresser les choses aussi pour les voitures autonomes, j'imagine, etc. C'est-à-dire faire encore mieux que tous les sens humains, en fait. Ouais. Mais ce qui est amusant, c'est que les chercheurs en intelligence artificielle suivent ce match avec attention. Hein ah oui, 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 oui. c'est un événement alors très suivi en Asie parce que c'est un jeu très populaire il est retransmis donc en direct par pas mal de télévisions euh, asiatiques euh, et par toute la communauté. Euh, bon, moi, je me suis quand j'étais en ligne euh, ce matin, à la fin du match qui a duré plus de 5 heures. <laughs> donc, euh, et vous avez suivi euh, tout le match euh, Non, non, parce qu'en <laughs> fait, il a commencé à 5 heures du matin, il était 13 heures euh, à Séoul, et ouais. ça a commencé à 5 heures pour nous, mais quand je me suis, suis connecté, donc euh, à 9 heures, il y avait encore euh, 90 000 personnes en ligne. C'est pas mal, quand même, ouais, pour bien un sûr. match qui dure 5 heures. Oui, oui, bah, en plus, c'est rigolo. C'est Donc en Corée, la Corée, c'est aussi euh, ce pays qui diffuse des matchs de jeux vidéo, hein, euh, en ligne, enfin, à la télé, euh, etc. Le jeu fait partie vraiment de la culture asiatique d'une manière générale. Merci beaucoup Amélie Charné pour ces précisions. Et donc le verdict, hein, on l'a dit, ce sera samedi. Les Samedi. Euh, alors ils vont continuer à jouer les matchs. Donc samedi on saura si la machine va gagner tout le tournoi. Ouais. Mais pour euh, connaître le score final, il faut quand même attendre jusqu'au 15 mars. Bien sûr, oui. Mardi. Très bien. 18h10 sur 01Net TV, vous êtes euh, dans 01 Live Hebdo jusqu'à 18h30. Raphaël Grably est avec nous. Salut Raphaël. Salut Jérôme. Raphaël qu'on retrouvera tout à l'heure pour parler du Galaxy S7 puisqu'il ne le quitte plus depuis quelques jours et il sait tout sur le nouveau smartphone flagship. Je, je vis avec lui. Il vit avec euh, le Galaxy S7. Mais juste avant Raphaël, euh, on va faire un tour vers cette... Euh, on va s'intéresser à cette news qui est tombée là, il n'y a pas très longtemps. C'est le nouvel Android qui arrive, enfin qui est en train de se dévoiler petit à petit. À à travers des fuites euh, thomas Romira nous a préparé un petit sujet très rapide pour nous euh, brosser l'essentiel de cette, ce nouvel android. La prochaine version d'Android s'appellera Android N. Google a mis en ligne une première version développeur. La grande nouveauté, c'est l'arrivée d'un mode multi fenêtre. Il suffira d'appuyer longuement sur le bouton multitâche pour y accéder. Le système de notification a également été amélioré. Les réglages Wi-Fi, batterie, lampe torche seront visibles en permanence. Il est également possible de répondre à une notification directement depuis l'écran de gestion. Le design d'ensemble est plus épuré, ce qui n'est pas sans rappeler le flat design de Windows Phone et iOS. Enfin, les ingénieurs de Google se sont attaqués à l'optimisation de l'autonomie. DOS, qui coupe les tâches de fond après un certain temps, sera désormais actif au moment même où l'écran s'éteindra. La première version développeur d'Android N est disponible sur certains Nexus. A noter qu'il faut quand même un peu de dextérité pour l'installer, cette version n'étant pas dédiée au grand public. Voilà, vous savez tout en moins d'une minute sur Android N. Alors c'est amusant d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on sait tout alors qu'il n'est pas encore sorti bah, On ne s'y attendait pas, mais donc euh, Google l'a sorti voilà, euh, hier. Euh, en fait, le but de Google, c'est d'avoir des, des résultats un petit peu en avance. Donc, le but, oui, c'est d'avoir des, des résultats sur les de développeurs de eux, et des avis des développeurs. Photo, compact, donc, toutes les fonctions qu'on a vues là-dessus ne resteront peut-être pas non plus euh, pour la version finale. Oui, on n'est pas sûr que ce soit encore euh, véritablement euh, le produit fini. A priori, il hein. y a une seule chose dont on, dont on est sûr, c'est pour le mode multi-fenêtre. Mm -hmm. Ça, c'est acquis, Google l'avait confirmé en décembre. Donc, ce sera bien présent euh, pour la version finale d'Android oui. N. Par contre, les autres nouveautés, bah, ça va être si les retours sont bons, Google les gardera. Et, sinon, euh, ça et ce ça, serait le multi-fenêtre, euh, y compris sur, sur les smartphones. Hein c'est la différence parce qu'ils sont un petit peu inspirés d'iOS, parce ouais, que le multi-fenêtre voilà. est arrivé sur iOS 9 pour les tablettes. Uniquement pour les tablettes. Uniquement pour les tablettes. Là, mmh. euh, on pourra en profiter aussi sur les smartphones. Donc c'est quand même euh, une bonne nouvelle. D'accord. Notamment pour les grands formats, les grandes tablettes, etc. Ça peut trouver une application. Et les notifications, pas les notifications, le, si, le, 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 la barre supplémentaire, la barre du haut avec les réglages, là, elle resterait tout le temps euh... Elle resterait tout le temps. Ça, et va puis, en fait, ça, ça va prendre de la place sur l'écran, ça, non ça va prendre Non, en fait, juste en la baissant, on aura directement accès aux réglages. Alors qu'avant, il fallait juste deux baisser deux fois. Ah oui, oui, on, on économise les clics. Voilà, c'est une petite modification assez légère. Hmm. La barre de notification va être un petit, un petit peu modifiée. Les notifications, donc... Euh, comme on le voyait, on pourra répondre directement dans les notifications. Mmh. C'est-à-dire que si on, les notifications sont regroupées par application, donc si on reçoit plusieurs notifications de Facebook Messenger, on pourra répondre sans avoir à ouvrir Facebook Messenger. On l'avait vu aussi, pareil, sur iOS 8, c'est arrivé. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est assez simple. Comme ça, on peut répondre sans avoir à charger une nouvelle application. Euh, Raphaël, j'ai une colle euh, pour vous de Lucien qui nous demande si on sait pourquoi ça s'appelle N. Ah bah, c'est l'ordre alphabétique. Donc il euh, y avait lollipop. Oui. Marshmallow M N. Ouais. Alors à chaque fois en fait Google prend le nom d'une friandise grosso modo. Mmh. Donc là c'est les, les paris sont ouverts. Hein. Oui puis il y avait Kit Kat avant, il y avait, KitKat, y avait... Y avait eu Jelly Bean, y avait ouais, etc. Enfin, donc JK, LMN. En... Euh, en fait voilà c'est juste le prochain sera haut, etc. A et priori pendant la Google I.O mmh. ou dans ces voilà au printemps début de l'été on saura quel est le nom euh, N c'est le nom de code. Mmh. Donc euh, voilà il y a des paris sur Nutella peut-être <laughs> voilà. Pourquoi pas pourquoi Oui, pourquoi parce qu'ils avaient passé un partenariat avec KitKat, etc. Exactement. Et là, là, là. Donc ça peut être Nutella, Alors... ça peut être Nougat. Enfin, Nougat Et quand est-ce qu'on en saura plus Pour le Google euh, IO. Google IO, donc au mois de juin. Au, au mois de mai D'accord. Ouais. Okay. Merci Raphaël. On aura ouais, l'occasion ouais. d'en reparler, évidemment, ouais. d'Android N. Euh, je reviens un instant sur la question 01 orange du jour. On en parlait un instant. L'intelligence artificielle, qu'en pensez-vous euh, Est-ce que ça vous fait peur Eh bien, on est toujours à... Oui à 45%, non à 55%. Donc j'aurais tendance à dire que c'est euh, moitié-moitié. Hein. Mais alors, tout à l'heure, euh, ici, on en discutait entre nous. On disait que c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a vu sur la science-fiction, sur l'intelligence artificielle dans les films de science-fiction, il y a quand même peut-être un peu de quoi s'inquiéter, même oui, s'il faut alors, rester optimiste. Ils peuvent se planter aussi, les robots. Regardez la Google Car. Et Ça, oui, c'est bien planté C'est vrai. vrai. Voilà. On se retrouve tout à l'heure Raphaël pour parler du Galaxy S7, mais tout de suite, on va s'intéresser à ce qui se passera sur Facebook dans 80 ans avec Delphine Sabatier, tout de suite. Bonsoir Delphine. Mais vous ne faites pas votre âge <laughs> Je suis venue sur ma canne <laughs> Et oui mort, hein, non, 80. Ouais, ben bah, non, mais 80. non, vous serez encore toute jeune, toute fraîche. 20 ans, 20 ans. Wow. ans c'est ça Oui, c'est ça, oui. <laughs> Bon, euh, donc 2098, il y aura plus de morts que de vivants sur Facebook. Qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est un petit peu morbide, je suis désolée ouais, pour ça. C'est ce un peu effrayant. Hein. Mais euh, c'est un chiffre qui euh, est tombé euh, récemment, là, cette <laughs> semaine, c'est un peu l'info de la semaine, ah ouais. qu'on est en 0,1 live hebdo. Donc effectivement, en 2098, il y aura plus de membres morts sur Facebook que vivants, mais tout ça est très théorique finalement, puisque... Ça part d'une étude statistique sur euh, des chiffres qui sont très américains pour l'instant. Ouais. Donc, on, on, enfin, en fait, ce pas moi, c'est plutôt un chercheur en statistique euh, qui s'occupait de ça, un jeune étudiant, et qui est parti sur le taux de mortalité aux États-Unis, notamment euh, sur la croissance de Facebook actuellement. D'accord. Tout ça est évidemment Donc, c'est très sérieux, mais très américano-centré, on va dire. Ouais. ouais. Et surtout, ce qu'il faut se dire quand même, c'est que déjà, aujourd'hui, on a 1,5 milliard de comptes sur mmh. Facebook. Il y a sans doute dedans des centaines de milliers de morts, forcément. Eh oui. euh, J'ai vu aussi notre stat qui est assez terrible, c'est qu'en fait, il y a trois personnes inscrites sur Facebook qui meurent chaque minute oh, dans le monde. Mon Dieu. Et alors... Je suis vraiment désolée pour cette nouvelle. <laughs> C'est sympa votre chronique aujourd'hui, Oui, Alors, euh, donc je disais, les stats sont un petit peu biaisés, tout ça, mais euh, ça part quand même d'un constat euh, qui est, lui, très réel. C'est qu'en 2014, 83% des utilisateurs américains avaient entre 16 et 34 ans. Et donc en 2098, eh bien, ils auront plus de 100 ans. Donc on peut imaginer qu'effectivement, ils seront euh, passés de l'autre côté. Mmh. Alors, qu'est-ce que est-ce qu'ils seront euh, morts sur Facebook ou est-ce qu'ils auront supprimé leur compte Ah oui. Parce ça, c'est notre question. Et ça, c'est la vraie question. Qu'est-ce qu'on fait euh, oui. quand quelqu'un meurt sur Facebook Alors, Facebook a mis en place des procédures. Déjà, on peut décider de laisser son compte actif, même après sa mort, et en faire un compte commémoratif. Mmh. Donc il y a une fonction, il faut aller dans les paramètres de sécurité qui permet en fait, de cocher une case qui transforme notre compte en, en souvenir ou à la mémoire mmh. de. Et euh, du coup, on est vraiment sur une page où on sait qu'on est euh, sur ouais. euh, du, de la commémoration. Les amis peuvent partager des souvenirs avec nous, télécharger aussi euh, certains contenus. On a aussi toute une procédure maintenant sur Facebook qui permet de désigner un légataire. Donc, ce légataire peut changer la photo de votre profil après votre mort. Euh, il Pour peut ça, aussi faut avant, en fait. euh, il faut le décider avant. Il faut le décider avant, tout à fait. En fait, il faut organiser quand même euh, sa vie numérique après sa mort. Ouais. Il faut commencer à y penser. Euh, donc, ce légataire, il peut aussi changer le statut de la page il peut ajouter des nouveaux amis qui vont avoir envie de commémorer euh, euh, votre présence euh, sur euh, Facebook mmh. mais vous pouvez aussi décider de supprimer votre compte hein, tout simplement. Donc ça faut pas aussi hésiter à le faire de dire une fois que je serai mort, je souhaite que tout disparaissent. Alors ça prend à peu près 90 jours à Facebook euh, pour effacer euh, l'entièreté des données. Oui. Euh, voilà, donc c'est un choix qu'on peut faire avant. Euh, si ce n'est pas vous qui le faites, ce sera euh, votre famille, les personnes qui sont... Oui, je sais, c'est... Je ne sais pas si vous répondre. voyez les... en plus les illustrations que nous ont préparées <rire> <rire> Florian et, et Pierre Thiolin, où il s'est imaginé euh, sur sa page Facebook en, 90, en 2098. Euh, c'est pas très gai, mais bon, c'est une réalité. Et puis alors, mais cela dit, il y a une question qui se pose. Est-ce que Facebook existera toujours en eh bah 2098 oui, Est-ce que Facebook va mourir avant nous ah, Exactement. Alors... Pas de raison, mais euh, au-delà de ça, on peut se poser la question quand même de toutes les données qu'on poste aujourd'hui sur le mmh. web que vont-elles devenir Même si Facebook n'existe plus, elles seront où ces informations Moi, je vais les mettre dans un avatar, euh, dans toutes un, vos dans informations un... sur euh, les, les, les tous les services de Google, sur les autres réseaux sociaux. Donc, il faut quand même commencer à se poser ce type de questions. Peut-être commencer aussi à faire le ménage petit à petit. On parle ah. souvent de l'irréputation en disant quand vous êtes jeune, vous mettez des trucs, attention quand vous cherchez un job plus tard. Euh, ah oui. Euh, C'est pas forcément, euh, ça va pas forcément vous aider à trouver un emploi. Euh, bah, Peut-être qu'on peut penser aussi à sa postérité et faire le ménage assez régulièrement pour ne laisser que des traces qui nous semblent favorables. Je pense aussi qu'il y aura aujourd'hui, on parle beaucoup du droit à l'oubli euh, pour revenir sur des affaires. Euh, de, de faits divers voilà qui entraîne euh, mmh. qu un peu comme ça sur, sur Google. Je pense que demain la législation devra s'intéresser aussi à ce, cette Bien problématique. Puisque là on est vraiment, en fait, on est la première génération à, à laisser autant d'informations ah oui. sur le web. Il faudra sans doute étendre ce droit à l'oubli pour ouais. les personnes décédées. Mais vous savez qu'il y a une théorie, puisqu euh, puisque peut-être qu'on va aller vers plus de robots, plus d'intelligence artificielle, c'est que l'idée d'avoir un, un double robotique qui utiliserait notre compte Facebook pour continuer finalement à exister à notre place et à converser avec les amis, etc. Oui, alors peut-être qu'on sera réincarné dans voilà, la machine, dans l'intelligence d'AlphaGo, je ne sais pas. Il euh, y a aussi des tas de services qui se lancent là-dessus, hein. c'est devenu un vrai business aussi la vie après la mort ouais, sur le web. Euh, donc il y a des services qui vous proposent d'envoyer régulièrement des petites notifications pour rappeler votre date d'anniversaire à vos proches. Bon, bon euh, voilà, faut vraiment pas avoir envie de mourir pour ouais. faire ce genre de choses. <laughs> Merci beaucoup Delphine Sabatier. On en reparlera à la Toussaint. Euh, voilà. Oui. Hein ce sera ce complètement sera de circonstance. Exactement. <laughs> Delphine qu'on retrouve chaque jeudi soir dans Zéro en Live Hebdo pour sa chronique Zoom Actu. Merci Delphine. Bon, alors ce Galaxy S7, il sort demain et ici, branle bas de combat, tous les spécialistes sont sur le pont. On vous dit tout, tout de suite dans la partie de la boue de 0 en live hebdo. Et là, hop, regardez, regardez cette configuration, quelques secondes, tout a changé. Salut, resalue Raphaël, Salut, qui, bon vient bah de, qui vient de s'installer. Euh, François peut rester en vacances. Exactement, bon. c'est ce que j'allais dire. François Sorel, si tu nous regardes, voilà, ça y est, excuse-moi, mais ça devait arriver, on t'a remplacé. Hein. Bon, sérieusement, c'est parce que euh, vous, trois spécialistes du labo 01Net, vous avez examiné sous toutes les coutures ce joli appareil, Alors qu'on a d'ailleurs en plusieurs exemplaires euh, sur la table du, de 01 Live aujourd'hui. Hein. Euh, moi je le confesse, ça fait aussi plusieurs jours que je l'ai en, entre les mains. Et il euh, y a des vidéos à voir évidemment sur 01net TV, il y a beaucoup de tests mmh. qui sont en train d'arriver, des tests écrits à lire sur 01net.com. Mais on va se faire un petit débrief rapide. Euh, que faut-il retenir en, en gros de ce, ce nouveau produit qui, on l'a déjà un petit peu dit, n'est qu'une espèce de super mise à jour hein, du, du Galaxy S7 Qui commence Raphaël Jean Sébastien, ouais, je peux aussi. allez Jean ouais. Sébastien. Euh, bah déjà. Techniquement, euh, on, a, tous les te on a fait passer tous les tests au labo euh, et euh, on s'est rendu compte qu'il oui, oui, y avait faut des, faut des vrais progrès par rapport au S6, notamment en termes d'autonomie. Mm -hmm. Là, euh, on atteint des autonomies de 13 heures avec le, le Edge et euh, de euh, un peu plus de 10 heures avec la, la, version, euh, la version classique. Donc là, c'est un, un réel progrès par rapport promesse, à l'ancien. C'était un peu une déception de l'ancien. Là-dessus, promesse tenue. Euh, aussi, en termes de puissance, là aussi également, le processeur, c'est le Exynos 9810 mm -hmm. qui est conçu par Samsung, qui est très bon. Euh, là aussi, on atteint des, des, des sommets de presque 60 images secondes sur des jeux ouais, c'est de course c'est le plus puissant du, du moment c'est hein. un des plus puissants du moment ouais, tout à fait il ouais. y a, y a le, le Snapdragon en face le processeur de, de Qualcomm qui est euh, qui est assez puissant mais d'ailleurs on pourra en reparler tout à l'heure parce ouais. qu'il y a une petite euh, bisbille avec deux versions différentes oui oui ça c'est toujours la même histoire, histoire chez Samsung, Samsung il voilà, euh, y a des pas mal de différences entre ah les ouais. deux processeurs. Mais alors nous on a laquelle Nous on a celle en Exynos, donc celle de Samsung. Donc c'est celle qui a a priori euh, la meilleure autonomie, mais qui euh, a un petit, petite, euh, moins bien de performance sur tout ce qui est euh, graphique. D'accord. Pourtant les performances sont très bonnes. Mais manifestement la Snapdragon 800, 820 de, de Qualcomm fait environ 30% de perf de plus. Euh, sur, euh, sur tout ce qui est 3d ah oui. donc euh, la version américaine et chinoise puisque c'est là bas qui sera distribué sera meilleur de ce côté là mais avec une autonomie moins bonne donc euh, c'est on, <laughs> on a pas le sol sur l'autre voilà c'est assez euh, c'est assez on euh... pas forcément mal tombé euh... non 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 et puis après euh, c'est des choses qui euh, sur le papier effectivement peuvent représenter des écarts de 30% après dans le dans le, le, la pratique euh, ça se ressent moins et oui, des, bien, les bien performances sûr sont bien déjà très bonnes donc euh, euh, oui, voilà, parce que là vous sympa. voulez pousser dans, dans leur dernier retranchement les smartphones bien sûr raphaël oui non même sur les jeux les plus gourmands on verra ça tourne hyper bien moi c'est ce qui m'a marqué pour ce nouveau galaxy s7 c'est déjà l'autonomie effectivement mmh. euh, comme disait euh, jean sébastien euh, on, gare, on gagne pratiquement 20% d'autonomie en moyenne c'est pas, pas négligeable c'est vraiment important c'est assez simple ils ont juste mis une batterie plus grosse mais voilà c'est efficace donc ça c'est quand même un point assez positif, moi c'est la, la micro SD, ouais. parce que Samsung continue à proposer des smartphones avec 32 Go de mémoire, c'est pas beaucoup pas énorme. pour des smartphones qui filment en 4K, donc qui génèrent tout de suite des gros fichiers. Enfin ouais, il y en a qui font même des smartphones à 16 Go encore, hein. suivez mon regard. Voilà, on ne donnera pas de nom. <laughs> on ne donnera, donnera pas de pas nom, nom mais... Bon. Euh, bon, ça commence donc, par euh, un, euh, ça finit par un E. Voilà, mais le micro SD, euh, voilà, c'est quand même essentiel aujourd'hui. Ouais, c'est important. Il euh. euh, y a une vidéo de, de Jean-Sébastien qui a été postée tout à l'heure sur Zawarnet TV que je trouve assez sympa où euh, tu euh, recenses trois trucs pratiques mmh. vraiment bien sur la version Edge, donc avec le fameux écran court. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve magnifique hein, au un point de vue esthétique. Euh, c est, mais c est des, tu, tu montres bien que ce sont des bonnes idées mais qui ont un petit peu des inconvénients, notamment ce système du Always On. Oui. Enfin, euh, qui n'est pas propre d'ailleurs au, au GS, au S7 Edge, ni même au S7 parce qu'on va le trouver aussi sur le, oui, G5, sur le G5 le LG, LLG, etc. Fait, ouais. Alors voilà, donc il s'éteint jamais. Il y a ce machin qui clignote. C'est sympa. On a toujours l'heure ou autre chose mmh. le cambré sous les yeux. Sauf que quand on le pose sur le bureau, on a ce machin qui, alors, il change en fait de position. C'est ça. Donc c'est comme s'il clignotait ouais. et on a toujours l'œil à tirer. On a l'impression qu'il y a un message qui est tombé. Ouais, là. je m'en suis rendu compte bah, en le testant. Euh, J'étais devant ordi, je l'ai <laughs> sous les yeux, enfin pas sous les yeux, mais à côté de moi. Et euh, donc c'est pratique parce qu'effectivement, si on veut regarder l'heure, on n'a pas Ouais, le ouais, temps, ouais. Ouais, très bien mais euh, le, le cadran se, se décale de temps en temps euh, au bout de, de quelques minutes Oui, oui. Alors, Alors, on peut, les activer, on peut soit oui. désactiver entièrement le si système mais, oui, le mais ouais. 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 on ne peut pas désactiver <laughs> <Okay>. le, le, <laughs> le mouvement donc euh, en fait c'est soit on l'a comme ça, soit ouais. on l'a pas du tout sur l'écran. Ouais. Et ouais. du coup là il est toujours attiré, on a l'impression d'avoir une notification. Ouais, ouais, ouais. Et c'est un petit peu perturbant à force. Et donc euh... et là on oh, est tous d'accord, il ouais, faut dire à sa euh... rien <laughs> du tout à faire, arrêter ouais, de ça. faire bouger le Oui mais c'est pourquoi C'est pour pas abîmer l'écran ouais, C'est comme c'est oui. euh, ouais, ça, de ça. Oui. pour préserver l'écran. C'est un côté un peu énervant, je déjeunais avec Adrien l'autre fois, il m'a quasiment cassé le téléphone sur la tête parce en c'est super agaçant, on a l'impression que l'interlocuteur qui pourtant est poli, ne prend pas les appels SMS. Et toujours comme ça parce que ouais. nos deux yeux sont, bah, un peu comme attire, la, attire sont attire stimulés. Ouais, c'est un peu comme la monde connecté hein, dès qu'on a une notification ouais, tac, ouais. tac tac on regarde ça franchi ouais, le ouais. pas de ma maison la <laughs> alors adrien adrien c'est notre monsieur photo ouais. et évidemment la photo est un élément super important de ce s7 alors, est-ce que... Euh... Moi, je crois que je suis le seul qui ne soit pas content ce soir euh, du terminal que ah. j'ai eu en test. Voilà, moi je suis là pour casser l'ambiance et de toute façon je suis un professionnel euh, du genre. Non, euh, <laughs> C'est la... lui qui dit. l'a dit. La photo est... Euh, bon c'est pas, pas, pas ça la photo faible. alors. Non, non, non. Euh, Samsung a fait un choix technique. Euh, ils ont voulu avoir l'appareil photo le plus rapide du marché. Promesse tenue. C'est l'appareil qui prend... Le plus vite les photos. Mm -hmm. euh, ils ont fait un choix de capteurs. Le capteur, mm -hmm. c'est un capteur Sony. Mais, mais plus rapide, pardon, qu'on précise bien, plus rapide au déclenchement, ou, ou, c'est-à-dire euh, entre le moment où on appuie et le moment où on prend la photo. Meilleur autofocus, euh, vitesse de déclenchement, euh, captation des mouvements, c'est le meilleur. Okay. Ça, ça c'est bien un, ça Oui, c'est très bien. Et ça a un prix, la qualité d'image est moins bonne que la génération précédente. Le S7 est moins bon que le S6 en ouais. photo ouais, tout à fait. Mais c'est vraiment perceptible, même pour un œil non aiguisé, comme... Euh... Alors oui, oui, alors rien qu'en chromi... Si on n'est pas Adrien Branco, par exemple, on, on, on verra la différence Oui. Ah oui, ben, J'espère que mon article servira à ça, quand même, <laughs> parce que ça serait, je serais vraiment payé à rien foutre si vous ne compreniez pas ça. Mais en gros, euh, bon, alors il y, y, y a une chose qui est, sur laquelle une correction est possible, c'est le logiciel, ça va être la chromie en basse lumière. Alors déjà, les, les couleurs, si vous voulez, les ouais. couleurs des tons chers mmh. sont fausses. Fausse, archi-fausse. En basse lumière, là où il est pas mal, parce qu'en basse lumière, il permet de faire des photos euh, rapidement nettes, ce, ce qui est plutôt bien. Euh, on, les soirées, les mmh. photos de soirée, on sait tout ça. C'est là où l'iPhone avait déjà, à l'époque, marqué ses différence. Samsung avait pris le lead avec le Galaxy S6. Mmh. Avec le 7, il enfonce le clou, sauf que euh, les peaux sont fausses. Parce qu'on a l'impression d'avoir des gens complètement artificiels. Et comme bah, il y a moins de pixels, ne pas les visages détail, quand même. Non, mais oh. euh, c'est comme euh, quelqu'un qui serait euh, blanc comme un linge et qui, on aurait l'impression qu'il revient du ski. Mais, c'est vrai que le contraire. Oui. Mais, bon. mais C'est vrai qu'il y, y a un petit côté jaune, les, les photos, surtout en basse lumière, c'est assez jaune. Ouais. Mais il y a une grosse différence. Et il se fait enfoncer d'abord par les Galaxy S, ouais. qui avaient une chromie euh, comme ça, mais qui était très bon de manière générale. Et il se fait humilier par l'iPhone. L'iPhone qui a... Euh, ah bah vous regarderez les images et vous verrez. Et, de toute façon les balances des blancs des iPhones sont toujours... J'aime bien le choix du mot, humilier, c'est C'est ah, très joli. Mais c'est dommage parce que j'ai l'impression d'avoir quand je fais ce genre de photos un smartphone chinois dans les mains. Avec euh, une suraccentuation des images, avec mmh. des couleurs flashy fausses, avec, euh, avec des couleurs de peau fausses. Donc j'ai en face de moi des mutants et pas des gens. Mmh. Et avec un <laughs> ouais, iPhone en basse lumière, il est vrai qu'on reconnaît les gens. Alors les iPhones n'ont pas le même piqué d'image, les iPhones sont toujours inférieurs à un Galaxy S6, mais Samsung a fait un choix, osé. Et pour la qualité d'image ils ont perdu bon bah écoutez voilà ça c'est dit euh, effectivement donc point faible pour la photo c'est est ce qu'il y en a d'autres il, bon... il dis pas mot attention ça reste un bon smartphone mm -hmm. et il fait d'assez bonnes photos faut le comparer avec je ne sais pas moi des marques ont oui mais c'est vrai que c'est étonnant être... que ce soit en régression par rapport au modèle d'avant alors c'est vite fait c'est le jeu technique ils nous ont menti man... ils ont, man... ont, man... ils ils ont, ils ont privilégié marketing le marketing dit <laughs> nos pixels sont plus grands oui alors, ouais, on vous dit tout sur, hein, le... ah mmh. ouais dual pixel dual pixel et on passe de 16 à 12 voilà, on passe de 16 à 12 et au lieu d'avoir des pixels, des photosites qui font 1,12 microns, on a mmh. des photosites qui font 1,4 microns, donc c'est plus grand. Ben non, parce que le super autofocus, c'est lui qui lui coûte la qualité d'image. Le super autofocus coupe les pixels en deux. Mmh. Et chaque pixel devient un moteur de la mise au point. On appelle ça la mise au point par corrélation de phase, qui se rajoute à la mise au point par détection de contraste. Les deux mises au point ensemble, ça fait que c'est vraiment une F1, la mise au point. Mais, comme on a coupé le pixel en deux... Les 1,4 microns, eh bien, il faut le diviser en deux. Donc finalement, les pixels sont plus petits qu'avant. Donc il est moins bon en basse lumière. Il offre moins de pixels et moins de piquets d'image. C'est QFD. Ça ok, toi. Il fallait le dire. Merci Adrien pour ces précisions. Ok, super. Alors évidemment, bon, il y aurait beaucoup à dire sur ce, ce nouveau smartphone. Et nous avons euh, beaucoup de choses à dire, à lire, je le répète, sur 01Net.com, à voir en vidéo sur 01Net TV, grâce à vous messieurs qui avez fait Mais des le test de photo a été publié à 5 minutes. Et le, le test vraiment. photo qui a été publié à 5 minutes, c'est formidable. J'ai une info pour vous, les amis. C'est François Sorel. Ça vous dit quelque chose voilà, qui est en vacances, on l'a dit répété, mais qui euh, est toujours sur le pont, qui vient de m'envoyer un, un SMS pour me dire que l'événement d'Apple du 21 était confirmé pour le 21 mars. Ah, très bien. Donc voilà, on se demandait 15 mars, 21, 22, etc. Donc a priori... Euh, si l'info de François est bonne, ce dont je ne doute pas, euh, 21 mars, keynote Apple pour annoncer Qu'est-ce qui devrait être annoncé C'est un a priori, d'après ce qu'on sait, pas iPhone, un iPhone euh, 7, non, mais un iPhone 5 SE. 5 ou, SE, ou, d'accord. C'est un petit format. Voilà. Donc évidemment, c'est pour plus tard. Ah oui, le pro. Ouais, euh, ce sera pour euh, septembre. septembre un truc oui, comme oui, ça. Ouais, 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 ça. Ouais. Donc soirée spéciale sur Zavonet TV. On sortira tous les chips, l'alcool, le, non pas l'alcool, on n'a pas le droit, mais euh, grosse fiesta, bien évidemment. Avant de conclure, coup d'œil sur la question 0Net orange du jour, avez-vous peur de l'intelligence artificielle On en parlait tout à l'heure avec Amélie à propos de cette démonstration du système de Google. Eh bien, euh, oui à 45%, non à 55%. J'aime bien parce que les questions 0Net orange, on sent que c'est quand même des, des geeks qui regardent et ils ont confiance dans la technologie. Et oui, nous aussi. Bien déçus. <laughs> bon, on va pas ouvrir le débat de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Merci Jean-Sébastien, Adrien, Raphaël. Merci également euh, à, euh, comme d'habitude, Florian Beaufreton, Pierre Thiolin. Et euh, il y avait également Thomas Rimeret ce soir, <laughs> qui était à la technique. On retrouve François la semaine prochaine. Et bien sûr, on espère vous retrouver parce que Zéro en Live Hebdo, c'est tous les jeudis soirs de 18h à 18h30, dites-le autour de vous, dites-le, c'est en direct sur 0net TV. Portez-vous bien, salut à tous, à très vite.